Il y a des dizaines d'années que la Grande Guerre a commencé. Oh, mon Dieu, mais personne ne sait comment tout a commencé. Si c'est nous ou les tas de ferrailles qui ont ouvert les hostilités. Tout ce que je sais, c'est qu'on a perdu. L'humanité est presque éteinte. Quelques camps de résistants luttent pour leur survie et c'est tout. Voilà ce qui reste de puissants humains. Je m'appelle Nevra et je me bats avec la résistance. Je suis accompagné. Attends, c'est une. Ah oui, c'est une. De Doyle, un tas de ferraille converti avec des goûts douteux. Oh, ça a l'air sympa quand même. Nous sommes les seuls survivants d'une mission suicide derrière les lignes ennemies. Une mission qui est le dernier espoir de l'humanité. Oh là là! Oh la vache! Oh, ça a l'air excellent! Wow! Oh, c'est stylé! Il est temps de cramer du chrome. Excellent! Excellent! De cramer du chrome. Oh, la façon dont c'est dit, avec l'ambiance très... Enfin, je vais pas dire second degré, mais tu vois que allez, c'est... C'est très profond, mine de rien, c'est très apocalyptique, c'est très sérieux. Mais disons quand même que allez, les gens, ils veulent dézinguer du monstre, quoi, tu vois. C'est vraiment quelque chose d'assez original pour le coup. Allez, c'est une patte d'humour que j'aime bien, en fait. C'est une patte d'humour que j'adore. Franchement, là, pour le coup, déjà bon point, niveau intro. Donc voilà, coucou la VOD YouTube. Oui, je suis en stream, voilà, excusez-moi pour la non-présentation. Voilà, je suis en stream après 10 ans de non-stream, voilà. Donc on va tout de suite sur aller sur Blazing Chrome. Alors je découvre le jeu, j'y ai jamais joué. Encore une fois, j'y ai jamais joué. Donc pour le coup, je découvre tout avec vous en stream. Par contre, la fenêtre se remet à chaque fois. Du coup, je vais avoir peut-être du mal à lire le chat. Je vais peut-être le mettre ainsi. Alors excusez-moi, je fais quelques trucs improvisés. Parce que en fait, j'ai beau remettre la fenêtre du jeu, elle se remet toujours au milieu en fait. Donc voilà, c'est. Alors, je pense qu'on est bon. Animation, mis ce jeu. Ok, ça va, ça joue bien. Alors, on a un mode arcade, évidemment. Classement, succès, option. Alors, pour le coup, c'est pas une démo, hein. J'ai pris le jeu pour le coup. Alors, SFX, BGM, ok. Écran fenêtre x3 et tout. Filtre. Wow. Excellent. Ah la vache. Oh, c'est trop génial ça. Ah ouais, tu vois le filtre, hein. Ça va, tu le vois bien. Excellent, excellent ça. Mode speedrun. Pour un premier run, on va peut-être pas essayer. Hein. Changement auto, vibration, d'accord, contrôle. Bon, je verrai ça voilà, en pleine partie. Donc voilà, allez, on va aller au mode arcade. C'est une vidéo découverte encore une fois, mais vraiment, déjà l'intro me donne super envie. Donc on y va, on y va. Alors, normal, facile, hardcore. Bah écoute, on va aller en mode facile bah, pour commencer le jeu. C'est la première fois, j'ai envie de te dire. Oh, mais les musiques sont excellentes aussi. Attends, attends, ça fait 1, 2, 3, 4 personnages. D'accord. Oui, stylé, lui. Bon, écoute, on va commencer avec Mavra. Je pensais que c'était Navra, mais non, c'est Mavra. Ok. Donc, écoute, on y va. Un clone de contrat, oui, il me semble, justement. Comment jouer? Ok, pour déplacer, on est d'accord. D'ailleurs, c'est beau, hein, honnêtement, c'est cool, je trouve. Vous accroupir, ok. Ah bah... Exactement le même accroupissement que contraint en fait. Hein. Ok, A pour sauter, on est d'accord. Ok, X pour tirer. Ah, d'accord, RB permet de faire ça, d'accord. Wow, ah ouais. Ah ouais, vraiment classe. Hein. On peut rouler. Littéralement. Ok, donc on tire sur des caisses et on ramasse. D'accord. Ok.
Bien, bien, bien. Pour le coup, ça a l'air vraiment excellent. Je sais pas. Ça me donne déjà une première très bonne impression en fait, hein. On va cramer du chrome, exactement. Mais déjà, j'adore. Wow, la présentation des niveaux. Excellent. Attends, on peut commencer par où on veut. Excellent. On est libre. Mon Dieu, on est libre, les gens. On est libre. Excellent, ça. Ok. On y va. Ok, attends, j'appréhende juste le gameplay. Oh, c'est stylé de ouf! Ça se manie super bien en plus. Ok. On va sûrement entendre les bruits de manette, je m'en excuse d'avance. Oh là 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 là. Ah ouais, d'accord. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok, c'est une balle rebondissante, j'ai l'impression. Bon, c'est pas forcément super utile, je trouve, dans l'immédiat, mais bon, ouais. Ça peut être pas trop mal. Ouh, j'ai failli tomber dans le vide. Oh, la musique, les gars. Elle est excellente. Wow, 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 wow. Ok. Eh, ça a l'air super bien en vrai, hein. Waouh, ça me donne une super impression de gameplay en vrai. Là. Pour le coup, c'est... Waouh. Excellent, ça. Et j'ai vu, on peut stocker jusqu'à 4 armes. C'est vraiment pas mal, ça. D'accord. Mais bon, je vais garder celle-ci pour l'instant. Ouais, ouais, je sais, t'en fais pas, Wayne. T'en fais pas, Wayne. Alors, je vais peut-être changer, justement. Ah, tu vois. Ah, attends, quoi? C'est un pot automatique. Ah merde. Ah oui, voilà. Merci, merci, merci. C'est bien, il te laisse le choix, en fait. C'est cool. Non. Merci. Bon, je garde celui-ci. Bon, j'imagine que c'est le genre de jeu où tu meurs en un coup. Bon, ça m'étonnerait pas. Si on veut respecter contrat à la lettre, j'imagine que c'est comme ça. Quoi? J'avais pas vu qu'on avait un double saut. T'es sérieux? Un double saut? Ok. Un petit one-up, ça fait plaisir ça. Ok. Ah! Oh la ref... J'ai dit la référence à Probotector, mais non, non, je me suis trompé. Oula, oula, wow! Attention! Aïe! Bien joué! Ok, donc j'ai l'impression que tu perds ton arme, en fait. Et pour le coup, ça te fait pas vraiment perdre une vie dans les médias. Ok, ça sent plus le mini-boss qu'autre chose. Ah. Excellent. J'ai l'impression que ça reprend l'humour de Metal Slug, en fait, en général. C'est pas trop mal. C'est pas pour me déplaire, j'ai envie de te dire. Ah, le véhicule. Allez, on y est. Oh, excusez-moi, je vous lirai après. Quoi, on a un support? Mais non! C'est lent! Oh, ce premier niveau, les gars! Je vais quand même faire attention à ma vie. Ouais, il est vraiment pas mal ce jeu. C'est vrai que là, waouh. Je suis extrêmement surpris de sa qualité. Vraiment pour le coup. C'est vrai que les options dans Gradius, ça me fait penser à ça aussi parce que. Ouais, pour le coup, avec ce que tu énonces, c'est totalement vrai. Ah bah oui, normal. Ah mince, pas plus grand, c'est pas grave. Kirby Planet Robobo. Robobot. C'est pas faux. Attends. Est-ce que ça va pas être difficile de combattre en mecha? Ouais, je pense que ça va être dur, hein. Oui, éjection. D'ailleurs, c'est totalement une référence à Metal Slug, ça. Ça sent le laser. Ça sent le fucking laser.
m'en doutais. Ah, mince, je vais tenter quelque chose. Ça a pas trop réussi. Quoi? Mais pourquoi j'ai plus le double saut? Ah, c'était peut-être une option, d'accord. Attends, c'est comment que... Ah oui, voilà, merci. C'est comme ça. On est presque mort, écoute, j'ai envie de te dire. Oui, oui. Oh, mince. Bien joué. Ok, bon. Premier boss, ça va, j'ai envie de te dire. Ok, eh ben... Eh ben... Moi, je dis ce jeu, il a l'air vraiment pas mal, hein. Honnêtement. Ah non, c'était pas le... D'accord. Oh là là, il va me foutre des points, mon gars. Je vais rien comprendre à ma vie. Oula, wow. Oh, l'effet de zoom, il était vraiment pas mal, hein, en tout cas. Attends, ah, oui, oui. Ok, j'ai compris. Oh, Itachi. Oula, il s'approche beaucoup de moi quand même. Hein. La musique aussi, hein, vraiment excellente, hein, je trouve. Ok. Wow. Ah oui, bah je peux les avoir comme ça, c'est vrai. Wow. Oh l'enfoiré. Bien joué. On est presque mort là, j'imagine. Ah! J'ai mal interprété les hitbox. Ok. Bon, je pense qu'on est bon là pour le coup. Ah, mais elle pète la musique, hein. Franchement, c'est excellent. Ça me fait penser au rythmique de la PC-98, en fait. Bon, c'est peut-être pas référence Zulu, mais j'imagine que vraiment ça doit être ça, quoi. Ok, bah franchement. Ce qui est pas génial ce premier niveau, sans déconner. Mission complete. Voilà. La référence à Metal Slug. Hein. Merci pour le GG, les gars. Du coup, je me demande si on garde ses vies, en fait. Faut voir. Bah écoute, on est parti pour le stage numéro 2. Oh là, c'est génial comme jeu. Sunshine aussi, un petit peu, ouais. Ça peut faire penser éventuellement à la rythmique du jeu Saphir, éventuellement. Oh mon dieu, j'avais pas vu, on est sur un overboard. D'accord. On peut sauter. Oui. Mon dieu. Oh là. Comme c'est putain de beau en plus. Excusez-moi pour les insultes, mais quand même. C'est excellent. Parce qu'on peut bloquer. Oui, on peut. Quoi? Tu meurs comment? J'ai pas trop compris. Quand j'étais mort. Là. Ah oui, d'accord, c'est des mines. Wow. Il fallait sauter sur moi en plus, lui. Oui, quoi? J'ai pas pris le missile, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Ça va être le game over dans pas longtemps, les gars. Je suis même... Attends, quoi? Attends, j'ai vu un truc, j'ai l'impression que je sautais sur les véhicules, ou c'est moi? Ah oui, mais on se régale la rétine, hein, ça c'est sûr. Ok, tu recommences avec 7 vies, le niveau. D'accord, c'est très généreux, hein, honnêtement, quand même. Ok, t'as le choix ici, d'accord. Merci. Et la musique, elle est excellente. Franchement, c'est incroyable, je trouve. C'est dur de gérer le dessus, l'overboard et tout, hein. Je le dis, c'est pas... C'est pas facile non plus, mais bon, bah, on va te dire, c'est pas non plus... Catastrophe. Pourquoi juste sur lui? Je sais même pas pourquoi. Ouais, je vais tester ça, Wayne. Attends, il y a un ennemi qui va arriver là. Ah oui! T'es excellent! La vache! Oh ouais, par contre, c'est risqué. Mais tu peux. Tu peux sauter sur eux.
la vache. C'est Mario. C'est Mario. C'est Mario. Oh. Ils font peur. Bon, c'est risqué, hein, parce que regardez, si je sautais sur lui, j'étais mort. Hein. Oh là là, ouais. Il fait peur lui aussi. Mon dieu. Ah là, c'est vraiment beau, c'est cool. Hein. La gestion des couleurs est incroyable, je trouve, très honnêtement, c'est du dingue. Wow. Oula. Wow. Ah. Mon dieu. Oh. Oula, attention. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est rythmé quand même. La vache. Non, ça va. J'ai cru que j'avais perdu mon arme. J'aurais été dégoûté. Oh, mais comment ça se fait. Ah oui, le pixel art, franchement, le travail qui a été fait, c'est un travail de dingue. Hein. Honnêtement, quand même reconnaître que le jeu a un travail du souci, du détail vraiment impressionnant. Mode de défense. Oh, vas-y. Oh, je veux. Wow. Ça fait peur. Oula. Attends, je peux sauter sur lui? Non, je peux pas. Je peux pas du tout. Je peux pas du tout sauter sur lui. D'accord. Bon, ça me paraît un peu normal. Tiens, meurs. Ça sent le mi-boss à tous les coups. Mon dieu. Ah. Entraîner avec lui. Diable. Alors, excusez-moi si je commente énormément, mais ce jeu il me plaît. Vraiment. Ok, seconde partie. Et hop. Ça c'est fait. Oh, excellent. D'accord. Comment elle a envoyé son overboard. C'était magnifique. Après la musique en plus. En plus, c'est marrant parce que t'as l'effet du vent, en fait. C'est-à-dire que... Bon. Quoi ? C'est-à-dire que quand tu tues un ennemi, regardez, il y a tout qui explose vers l'arrière, en fait. Donc t'as l'effet du vent, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tiens, est-ce qu'on recommence le niveau ou est-ce qu'on recommence au checkpoint ? Du coup, je suis curieux. Ah, continue ? Bah oui. Ah tiens, ton avis. Ok, on recommence ici. Ça va, hein, généreux le jeu, je trouve. Salut, Nefelia. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Très généreux ce jeu, honnêtement. Wow. Enfin, je veux dire, pour les néophytes du genre, ils trouvent leur place en fait, globalement. Ok, on se remet bien là. Ah, on se remet pire que bien. Oula. Wow. Oh, le rayon laser. Le genre de truc qui fait hyper mal, ça, en vrai. Wow. Oh, ce laser. Ah 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 ah. Mon dieu. Oh là là, mais vas-y. Quoi? Ah, j'ai été touché, d'accord. Pas facile de tuer des ennemis en bas dans ce genre de jeu. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas facile du tout. Non, mais ça tire pas vers le bas, bon écoute, tant pis. Tant pis pour vous. Mode de vitesse. Ah oui, c'est le double saut. Oula. Ah ouais. Ah mais le train, il est top. Hein. Ça, c'est sûr. Très clairement. Oula. Il court, lui. Voilà, tiens. Ça se prend pour des ninjas, en plus. Seuil. Ils sont déchaînés, mais je te jure, c'est n'importe quoi. Hein. Ouh là là, ouah, par contre là. Est-ce que je peux tirer? Non. Attends, comment on fait? Ah oui, voilà. Mon dieu, non! Il fallait un bot de vitesse. Oh là là. Oh là là. Oh. Non mais, je vous jure. Ah mais, mince, je pouvais aller au-dessus, d'accord.
En fait, pour ce genre de jeu, ma hantise hein, principale, c'est de tuer des ennemis en bas. Parce que c'est extrêmement dur. Faut d'abord sauter, puis viser et tirer. Pour un jeu aussi rythmé que ça, c'est pas non plus ouf, je trouve. Hein. Mais bon, en plus, c'est un souci de gameplay avec moi. J'ai envie de te dire. Bon, c'est mieux que Xenoracer. Hein. C'est pas comparable, surtout. Ah ouais, le prochain Fire Emblem, mais il a l'air super cool, en vrai. Il a l'air excellent. Good. Oula. Oula, wow, ho, ho. Ouais. Bien joué. Oula, ouais, ça se sentait, hein, l'immense laser de ouf, là. Il se sentait à 10 000 à l'heure. Trop de RPG, tu les RPG. Wow. Ah oui, c'est vrai que je peux viser comme ça, c'est vrai. J'ai totalement oublié. Et donc, séquence d'esquive. Comme dit Ryzen, on va se faire une méga téno esquive. Ok, ça va, il est... Ça va. Mais voilà, c'est ce qu'on veut dans un jeu vidéo. C'est des patterns pas non plus super hardcore et tout. Quelque chose de moins accessible. Mais voilà, même pour ce genre de jeu, on a quelque chose de moins intelligent pour le coup, tu vois. C'est quelque chose qui est pas non plus rageant, ni rien. C'est quelque chose d'accessible, en fait, tu vois. Pour les néophytes comme les joueurs de la première heure de ce genre de jeu, c'est ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qu'on veut pour ce genre de jeu. Pour le coup, je m'y retrouve totalement avec ce jeu, en fait. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Voilà, voilà. Ça, c'est un bon jeu, les gars. Ça, c'est un bon jeu. Ouais, c'est un pattern simple, mais efficace, j'ai envie de te dire. Je ne pas forcément des boss avec 10 000 patterns, mais au moins un pattern qui vaut le coup. Voilà, ça, par exemple, ça. Voilà. C'est un très bon jeu, ça c'est sûr, ouais, c'est clair. Oula, oh, ils ont failli me tuer. Voilà, oh, oh le ninja. Mince, j'étais en train de m'accroupir en plus, ça pire. Ouais, j'étais en train totalement de m'accroupir. Je me sens mal cette histoire, non ça va. On a le mode speedrun, attention. Ah bah j'aime bien les bons jeux, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, tout le monde aime les bons jeux. Ouais, j'ai envie de te dire aussi. Tout le monde aime les bons jeux. Voilà, voilà. Alors, comme je dis, il faut mieux appréhender ça. Voilà, c'est tout. Wow, wow, what the fuck? Ouais, tu peux te battre au corps à corps comme tu peux te battre à distance, en fait. C'est vraiment bien foutu, hein. Sans déconner, excellent. J'aime les bons jeux. Tu sais, il faut dire avec un petit accent. Moi, il met des bons jeux. On est déchaîné sur ce live, c'est un truc de dingue. Ah oui, le laser, mais il avait l'air excellent, ce laser. Ouh, la vache. Oh non. J'adore comment je l'avais appréhendé au début, c'était marrant. Waouh. Bon, boss time j'imagine. Fais voir. Wow. Oh la vache. Oh putain. Bon bah. D'accord. Bon, on va recommencer le combat du coup. Je pense si on ripop au boss, non. Ça aurait été trop facile. Faut pas décoller non plus, j'ai envie de te dire. Ah, je suis très mal placé, là. Non. Ah. À peine je prends une arme, je la perds. Bon. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Si on peut faire un challenge de boss avec l'arme normale, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal.
Ah! Ouais, je sais plus combien je l'ai payé ce jeu, mais vraiment. Qu'importe son prix, je le regrette pas, quoi, franchement. Parce que très clairement, je peux dire ça. Oh là-haut! Alors j'imagine que ce jeu en très difficile, ça va être du tout, hein, je pense. Enfin, je sais pas. Je dis ça comme ça, mais je pense qu'on a des sensations de tout like. Pourquoi je te touche pas ici? Bizarre ça. Ok. Oh. T'en fais pas, je t'aide. En plus, c'est fluide, c'est rythmique. C'est excellent. Et on aime quand c'est excellent. Too late! Exactement. Ok, du coup, on va réarriver au boss. Ah, non, par contre. Non, 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 merci. Et j'aurais pas aimé qu'il allez, qu'il me mette sur le laser ici. J'aime bien parce que tu vois, ça partait sur le laser. Donc, j'imagine que c'est genre un petit troll des développeurs. Ça aurait été trop marrant, ça, tiens. Ah oui, c'est vrai, il y avait lui. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Ah, mais il ne peut plus tirer. Il a plus de bras. Plus de bras. Il y avait encore des ennemis? Je pense pas. Hein. Non. Ok. Donc, 4 vies pour rebattre le boss. Hein. Est-ce qu'on va savoir le faire? Je sais pas trop. Mais on va essayer. Hein. En plus, ce qui est sympa, c'est que Ah! En fait, quand il y a un bruitage avec le boss, c'est au rythme de la manette, en fait. Je sais pas, c'est au rythme de la vibration, en fait. Quand le boss est apparu... Mince. Le boss est apparu, t'as la manette, je sais pas, elle a fait un petit... une petite vibration, comme ça, vite fait. C'est sympa, honnêtement, pour l'immersion. C'est cool. Putain, what? Wow! Oh la vache! D'accord. Ça rigole pas du tout les boss, hein. Ok. Je commence à comprendre un petit peu mieux comment tu fonctionnes. Peut-être qu'on va encore mourir une fois, mais bon. Bon, franchement, ça va. Ça va. Je pense qu'à force, on comprend le boss, hein. J'ai envie de te dire. C'est pas non plus comme si c'était vraiment difficile à comprendre, j'ai envie de te dire, mais voilà. Ok, hop, voilà. Donc il va refaire son pattern ici, on est d'accord. Wow, quoi il change? Ah mais oui, mais c'est normal, je lui ai détruit un module. Bah oui, c'est normal, il change de pattern. Enfin, le rythme de ses patterns, plutôt, je devrais dire. Quoi? Oula. Ouf, oh, l'esquive. Oh, il était magnifique. Mince. Oh, mais j'adore comment il vole comme ça. Il donne une petite impulsion et tout, c'est... J'adore. Wow. J'ai cru qu'il allait me toucher, qu'il allait s'approcher de moi et tout. Eh, t'as un beau sac à PV quand même. Hein. Ça va. Ah, les bruitages et tout, c'est excellent en vrai. Ah ouais. Bien, bien, bien. Ok. En mode Ridley qui arrive depuis le background. Ah ouais, c'est sûr. Le jeu est pas assez film interactif, alors je préfère Uncharted. Non, je préfère Until Dawn, hein. C'est un chef-d'œuvre du jeu vidéo, ça. Je dis bien jeu vidéo. Surtout jeu, et pas trop vidéo. Bah, merci pour le GG, les gars. Ah bah franchement, là j'adore. Là, pour le coup, j'ai envie d'enchaîner. Franchement, bien. Bien, bien, ça. Bah, musique. Ouh, je suis baissé au bon moment. Mais là, voilà, là, dans le design du décor et tout, c'est vraiment sympa. Honnêtement. Wow, ouf.
Ah ouais, d'accord. Bon, on est dans le désert, j'ai envie de te dire, c'est normal. On va essayer d'éviter ça, je pense. Oh la vache! Oui, il faut profiter du jeu, hein, les amis, c'est normal. Comment on va s'en sortir avec ça? Ah, ça va. What? Je suis mort comment? What? Je suis mort comment? J'ai rien compris à ma vie. Ouh, en plus les sables sont... Bah évidemment, c'est les sables mouvants, donc... Ok, ok. Je comprends mieux comment tu fonctionnes. Et tiens. Tiens, fils de mandarin. Quoi? Quoi? Oh la vache. Ah! Mais... Le pattern des ennemis est assez varié au final. Bon, sauf de ses soldats, bien entendu, mais... Tu vois, ça reste varié dans l'ensemble. C'est cool. Oh bah mince. Ah bah bien joué. Ouais, c'est sorti tout seul, le fils de mandarin. Ça va, je fais toujours du local recording. Ça a l'air, ouais. Ok, donc on recommence dans de bonnes bases. Écoute. Ok, bot de défense. Ok. Est-ce qu'il y a le bot Discord? Je pense pas. Hein. Non, ça va. Est-ce qu'il y a le bot Discord? Tiens, il est passé. Oui, taché. Je vais te dire ça comme ça. Je le vois plus. Alors, peut-être qu'il est déjà parti, je sais pas. Je pense qu'il devait manger. Un petit ou petit taché en tout cas. Ah non, mais il est fatigué pour... Ah mon dieu, je regardais le chat. C'est de votre faute, déjà, c'est de votre faute. Tout est de votre faute, toujours. Ah putain. Mais ils font peur les monstres, au secours. Mais cou... Oh là 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 là, oh, vas-y. Ok. Bon, je sais qu'il faut me baisser ici, ça va, j'ai compris. Bah voilà, c'est toujours de la faute du chat, encore une fois. Mais alors, j'ai rigolé, bien entendu. Mais c'est vrai que bon, comme... Je vais vous dire, hein, comme ça fait longtemps que j'ai pas live et tout... Allez. Se concentrer à la fois sur le gameplay et sur le chat, c'est beaucoup plus difficile pour moi, en fait. Après, je suis pas là pour faire des performances prestigieuses et tout, hein, voilà. Mais disons que bon, c'est compliqué. Il y a encore, j'ai envie de te dire, il y a 2 mois, ça va. Mais là, pour le coup, c'est compliqué, là, pour le coup, en fait. Voilà. J'aime pas quand je suis mort. Ok, zone suivante, j'imagine. Non. Oula. Il a poupé d'où, lui? Oh, ça va pas. A, B, C, D. Quoi? Oula. Mon dieu. On va, écoute, on va recommencer bien. Bien chose. Par contre, j'imagine quand même difficile. C'est peut-être une chose à savoir, j'imagine. On a peut-être des continues illimitées. En mode difficile, non. Je pense que c'est plutôt inverse. On a peut-être des continues illimitées. Je vais plutôt prendre ça. F. Oui. J'aime bien réciter l'alphabet durant les lives. Ah. Non mais, encore une fois, ce jeu est frénétique. Donc c'est vrai que... Avec, que j'aime bien en vrai, hein, au niveau frénétique comme ça. Tu vois. Maintenant, je suis... Connard, je suis assez immergé en fait, hein, globalement. C'est pour ça que je prêche plutôt de la bonne parole de l'alphabet. Voilà. Parce que globalement, je suis plongé dans le niveau en fait, globalement. Donc voilà. C'est pour ça. Ah. Mon dieu. Mais en fait, je pense à chaque fois que ça va rip-up de sa position d'origine, mais en fait non. Oh oui, là c'est dur hein, par contre. Hey, oh. Encore c'est un niveau 3 étoiles. Hein. Non, 2, 3 étoiles, je sais plus. Ok. Ouais. Un petit glomo. Ouais, exactement. Ah. Bon. Voilà, merci. Waouh. Mais par contre, comment il envoie ses bombes, lui?
La vache. Ah d'accord, pendant qu'on charge, on peut pas bouger. Donc, je vais plutôt prendre l'autre arme alors. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Ok, hop. Ok, je commence à appréhender un petit peu la chose. Tant mieux. Il n'y a plus... Il n'y a plus d'ennemis comme ça qui apparaissent. D'accord. Ça va, ça va. C'est pas du Dying Retry, hein, très clairement, mais c'est juste qu'au fur et à mesure du temps, très clairement, tu apprends à connaître le niveau et pour le coup, enfin, c'est beaucoup plus facile, en fait. Par contre, encore une fois, une chose qui ne... Allez. Qui ne déçoit jamais dans ce jeu, c'est clairement son ambiance musicale. Très clairement, on est sur un niveau... génial. Ah, encore lui. Oh mon dieu, il y a... Ah ouais, il y a un pod qui t'annule, en fait. D'accord. Ah ouais, bien, bien pensé, ça. Joli. Joli développeur. Bravo. Ok, il change d'endroit pour le coup ici. Ok, waouh. Oups. Il est pas mort. Ah, faut détruire les trois. D'accord. Ok. Ah. Ok. Bon, du coup, on va recommencer. J'espère pas du début parce que je commence à en avoir un petit peu marre, peut-être. Ah oui, quand même. Ok. Bon, attends. Juste, on va prendre une arme parce que je sais qu'au-dessus c'est un pod. Voilà. C'est quoi le G? Ok, c'est ça. Ouais, pod de défense. Je dis pourquoi pas. Donc, enfin, le niveau, bah, moi, ça me dérange pas. Écoutez. Hein. C'est pour ça qu'on apprécie ce genre de jeu, j'ai envie de te dire aussi. Hein. Voilà. Parce que ça rigole, mais allez faire un contrat, vous allez voir tout de suite. Vous allez déchanter. On va voir si vous allez réussir du premier coup un contrat. Voilà. On va tout de suite voir ça, les gars. Putain, ça saute super haut quand même. Hein. Ça saute hyper haut. Hein. Il n'y a pas rapport. Ah, d'accord. Okay. Mais lui, on est d'accord, c'est le dessus. Hein. Voilà. Exactement. Ah, il est déjà mort. D'accord. C'était très rapide. Gère à la fois les ennemis au-dessus et lui là ici. Ok, c'est passé un petit peu mieux que tout à l'heure, ça va. C'est pas grave. De toute façon l'arme m'aurait très clairement ralenti donc c'est pas un souci. Je peux passer comme ça, ouais ça va ça. Ok nickel, nickel. Popper ici. Ah, ok. Je saute ici. Et voilà. Ok, bah c'est pas de soucis. Ah, ah, bon sang. Ça, c'est dangereux quand même. Hein, son... Quand il envoie des bombes comme ça, mais c'est tellement rapide, c'est un truc de taré quand même. Alors je pense qu'on avait un petit safe spot ici. Hein. Voilà. On était assez safe ici pour le coup. Voilà, hop, voilà. Comme ça on peut gérer à la fois lui et le boss à partir d'ici. Bon, sauf quand il ouvre son noyau du bas. C'est un peu plus dur. Voilà. Quoique si on fait des petits sauts ça va hein. Finalement. Pas non plus. Ah bah oui, bah oui, magique, bah oui j'ai oublié. On peut faire ça comme ça aussi. Ah, ça va comme ça, en fait. Ok, ça va, ça marche. C'est bien.
C'est vrai que niveau diversité du bestiaire et tout, en fait, on croise quasiment les mêmes ennemis qu'au début. Il y a peut-être juste 2-3 ennemis qui symbolisent la zone, mais c'est vrai que globalement, c'est vrai que ça change pas des masses, hein. C'est vrai que pour le coup, c'est effectivement à souligner, je trouve. Tout de même. Mince. Hop, voilà. Ah, Blue Stain encore, ça va. Bon, c'est vrai que par moments c'est répétitif, mais c'est pas non plus une catastrophe. Hein. Wow, par contre, la vache, c'est dur. Ok, wow, wow, punaise. D'accord, oh, ça m'a surpris. D'accord, merci. On va tomber sur quoi ici maintenant? Oh mon dieu, l'araignée. L'araignée, Gypsy. Oh, les effets de zoom, ils sont super bien faits quand même. Je tiens juste à dire, c'est vraiment excellent. Oh, par contre, j'avais pas vu les pics là. Ok, je vois. Mon dieu, il y a un timer pour le battre, j'avais pas vu. Mince. Ah, dégage. On lui met la pâtée là, mon gars. Il va rien comprendre à sa vie. Elle est presque morte, hein. First try? Non, pas first try. Ouais, j'ai vu que j'avais un chrono. Bon, j'imagine qu'on va recommencer directement à l'ascenseur. Ouais, je me disais bien. Reboss. Wow. Je pensais que t'allais le tuer plus vite que... autre chose, je me suis trompé. Alors eux là, je pense qu'il faut détruire en priorité le dessous. Non, quoi que ça va, quoi que ça va. Bien joué. Ok, merci beaucoup. Bloodstain, ça va, franchement, je veux dire. On lui fait énormément de critiques infondées pour ma part, hein, très clairement. Je veux dire, tout ce que tu critiques sur Bloodstained, tu peux exactement faire aux autres Castlevania, j'ai envie de te dire. Voilà. Certes, c'est pas une patte graphique vraiment incroyable, hein, j'ai envie de te dire, mais en même temps, c'est un projet Kickstarter, voilà. Je prends ça de base en me disant que certes, ça pardonne pas tout, je veux bien être d'accord. Cependant, c'est pas non plus la catastrophe niveau graphisme. Hein. Franchement. Vous voulez voir un jeu moche? Des jeux moches? Bah vous avez qu'à voir les milliers de jeux qui popent de n'importe où, des RPG Maker et j'en passe, sur Steam. Hein. T'en as, c'est une hérésie niveau 3D. Hein. Franchement. Oula. Alors eux, je les aime pas, déjà de base. Ce genre d'ennemis qui se cramponnent partout. Quoique avec... Ah non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça passe finalement. Faut juste les attendre, faut pas se précipiter, faut juste les attendre et... Pourquoi t'as pas donné un coup d'épée? Quoi? Ouais, merci. Bon, en même temps, il était pas vraiment dur, un mini-boss. Mais bon. Toujours ça de prix. Donc, merci beaucoup. Oula. Alors, on dilate je ne sais pas quoi. Aïe, aïe, aïe. J'ai cru que ça allait se refermer, j'ai paniqué. D'accord. Ok. Du coup, quand je ferai le let's play, j'essayerai de bien bien mieux jouer pour le coup. Je vais garder ça. Je sais pas, des fois. Des fois, des fois, je sors pas son épée, c'est un peu bizarre. Alors peut-être que je dois mâcher le bouton. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Ok, c'est. Ouais, ok, ça va, j'ai compris. Mais c'était de ma faute. Bah ouais, bah oui, bah je veux dire, des bons jeux, je les LP toujours, hein, les gars. C'est normal ça. C'est normal, j'ai envie de te dire. Oh, j'avais pas vu encore de sable mort. Par contre, waouh! C'est quoi, c'est le dernier niveau de contrat ou quoi ça? Des espèces de. Je sais pas,
organes, je sais pas trop quelle connerie. Franchement, je sais pas sur quel boss on va tomber, mais ça va être pas trop mal, je pense. Hein. Quoi? Waouh, on a changé d'arme. Oh la vache. Excellent. Ok, vas-y, je prends bien volontiers quelque chose. Mince. Oh, de toute façon, j'avais déjà un pod, donc c'est pas... pas non plus vraiment utile, quoi. Bon. C'est quand même mieux de faire ça comme ça. Waouh, ouais, c'était un petit peu chaud, là. Ok, hop, waouh, et oh, doucement, 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 waouh, 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 putain, oh, ils mettent la pâtée d'ennemis là, what the fuck. Ah ouais, mais si j'avais encore mon robot, j'aurais pu récupérer le bonus, d'accord, ok. Voilà, on va tomber contre quoi, là? J'ai peur, hein, les gens. Oh mon dieu. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce boss est affreusement magnifique. Il est affreux quand même. Ah ok, oui, je peux l'avoir avec mon épée, c'est vrai. C'est vrai. Bon, peut-être tendance à l'oublier. Ah bah une vision de l'enfer, bah ouais, là, très clairement, oui. C'est une charmante créature, oui, on peut dire ça. Oh, quelle horreur. Ok, ça va. Je comprends comment il fonctionne. Waouh. Il fait peur. Il fait flipper ce boss. Bien joué. Shinobix, c'est pas faux, ça, tient. Ok, alors là, c'est mort aussi. On est d'accord. Ah, par contre, il va falloir gérer tout l'acide qui va te lancer et tout. Ah ouais, ça va être chaud, ça. Ah ouais. Sauf que j'ai l'impression qu'il le fait de plus en plus vite au fur et à mesure du temps. C'est... ouais. Ah, c'est trois, plusieurs endroits. Oh mon dieu. Il est mort? Oh! Quoi? Nani! Ah, ah, ah! Oh, vain Dieu. Oh, j'ai été surpris. Oh, j'ai sursauté, vous avez même pas l'idée. Pas mal, pas mal. Ah, franchement, pas mal. Ah, je recommence tout le niveau. D'accord, ouais. Attends, je me gratouille juste ça, voilà. Ok, ok. Bon bah ça va, niveau boss et tout. Enfin, j'espère que c'est un boss et pas un mini-boss quand même. T'imagines, c'est un mini-boss ça. C'est un mini-boss ça. Les boss sont monstrueusement impressionnants, c'est dingue. Et ce qui est marrant, c'est que t'as l'impression d'en avoir fini avec le boss. Sauf que non, en fait non, t'en as pas du tout fini. Très clairement pas. C'est juste que le boss, il te réserve une surprise à la fin, c'est... tu t'y attends même pas. Déjà 1h30, ouais, j'ai vu. Avec ça va vite, pour le coup. Ah, on s'emmerde quand on peut, hein. Non, je rigole bien entendu. En disant ça. Bot Seb. Bah oui, ça t'offre toujours une... ça, de la surprise, hein, ce genre de boss, donc moi j'aime bien, hein, de base. Ok. Donc c'était plutôt adapté pour le robot, en fait, cette phase, hein. On est d'accord, parce que, humainement parlant, sans le robot, on n'y arrive pas. Hein. Voilà. Clairement, on n'y arrive pas du tout. Vas-y. Ah, je vais pouvoir au moins récupérer un bonus, c'est bien. C'est quoi, ça? C'est la protection? Vas-y, je garde la protection. Ouais. Ok. Bon, tant pis pour l'autre bonus. Par contre, c'est quoi le meilleur?
Je vais pas trop me risquer, quoique non, j'ai le bouclier donc je peux tenter, hein. Ça va. Ah, vachement impressionnant ce boss quand même. Hein. Encore si c'est un boss. Hein. Ils te le disent peut-être pas, mais c'est un mini-boss, tu vois. Ah mais ce laser c'est l'enfer. Hein. What the fuck? Oh! Oh c'est trop lad. Alors, crève les yeux. Et hop, tiens. Et continue, continue, écoute. Voilà, déjà un. Ok, bon, ça va. On a civi les gars. Ils t'ont à l'œil. Putain, Roddy. Roddy. Avec vos conneries. Ok, bon, allez, il arrive, attention. Il me fait une macarena, hein, c'est fou. Voilà, je pense que c'est exactement le bruitage qu'il a fait. Ça va, ça va. C'est juste la dernière phase qui peut être relou à certains moments, mais j'ai envie de te dire, ça va, globalement. Ok, alors, ouais, c'est la fin du stage. C'est là qu'il te dit que c'est le mini-boss, en fait. C'est pas le vrai boss du stage. Ça m'aurait étonné, hein, vu la mise en scène et tout. J'ai envie de te dire. Voilà, voilà. Merci, merci. Bon, écoutez, on va faire le dernier stage, et après, je pense qu'on s'en arrêtera là. Voilà, voilà. Encore si on réussit, parce que mine de rien, on passe une difficulté. Ouais, ouais, on monte de deux crans. Hein. On monte de deux crans d'un coup. Hein. Mais étrangement, j'ai plus galéré sur ce stage ici que celui-là. Hein. Alors qu'il est indexé avec 3 points de difficulté. D'accord. Ok. Bah écoute, on y va. Donc, dernière mission de stream. Ah ouais, le ciel. Excellent. Ouf, bien joué. Par contre, c'est dangereux quand même, un truc de vitesse comme ça, ça veut dire que t'as moins de temps d'esquiver, mon dieu. J'ai eu peur, mon dieu. Ah, 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 ah. Putain. Non, en fait, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir un truc de vitesse pour ce genre de stage, en fait. Bon, je vais garder ça, je préfère largement une rafale. Quoique. Oh mon dieu, il est revenu. Il est reviendu des enfers. Je l'avais pas détruit lui. Bon, bah, c'était pas un boss je pense, hein, de base donc. Oh bah là j'avais pas de chance. Hein. Aucune chance, j'avais zéro chance là pour le coup. Alors le minigun il va se calmer tout de suite, moi je te le dis. Bien joué. Bien joué. En même temps, commencer un stage pareil avec 3 vies, c'est pas l'idéal. Bon, j'ai bien fait de commencer en facile. Hein. Je pense que c'est le genre de jeu que tu fais plusieurs fois, que tu tryhard pour le coup, et qu'au fur et à mesure du temps, ça va mieux, quoi. Voilà, tout simplement. C'est le genre de jeu, faut prendre ton temps, voilà, j'ai envie de te dire. C'est totalement normal. Ah ouais, mais what? Tu peux totalement foncer. Ah, comme ça, t'en fais voir. La vache! Ah, ça réussit un petit temps quand même, hein? Hey. Donc, ça veut dire que si tu traces avec le bot de vitesse, ça va en fait, hein, globalement. Bien joué, ça, bien. Non. Ah! Mon dieu! Tiens! Oh, bien joué. Je vais faire le kéké, mais ça n'a pas marché du tout. Tu m'étonnes aussi. Ce genre de jeu, faut jamais prendre trop de gros risques, les gens. Si on fait un autre... Je sais pas.
Effectivement, c'est peut-être à tester ça. Éventuellement. Si on est à deux players, est-ce que éventuellement ça change la donne? Ça peut être sympa si c'est le cas en vrai, en fait. Hein. Franchement, ouais. Ça peut être effectivement très très cool. Ah ouais, d'accord. Le retour du. Ouais. Du bot de vitesse. Ah! Mon dieu. Mais. Oh! Stop! Ah, ça va, ils ont pas compté ça comme une mort. Merci. Enfin, j'ai appris. Sinon... Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez. Arrêtez d'évacuer des plateformes sous mes pieds. C'est pas très très gentil. Ok. Mini boss time. Oula. Oh la musique. Par contre. Ça sent le boss bien vénère, ça. Enfin, le mini boss du coup. Wouah. Qu'est-ce que c'est que ça? Wouah. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah bah lui, il est pas là pour rigoler, hein. La vache. Ouh, bien. Bien joué, ça. Eh, il y a moyen d'aller vite, hein, quand même. Il y a moyen. Ah, le rire. C'est vrai que le rire du boss, enfin du mini-boss, du coup, est très sympa, je trouve. Très honnêtement. Il est rigolol. Il est rigolol. Ça va, le bot de vitesse, en vrai, hein, si tu maîtrises bien et tout. Tu peux faire pas mal de choses avec. Hein. On se dirait juste que c'est juste de la vitesse, mais finalement, c'est bien plus que ça. Hein. Dans la pratique, c'est vraiment, vraiment qualitatif, je trouve. Wow. Ah, cette roulette que je t'ai fait, mon gars. C'était magnifique. Ok. Je sais pas, parce que, en fait, ça fait pas longtemps qu'on a commencé le stage, hein, donc... ça m'étonnerait, en fait, que ce soit juste le boss. Et déjà, j'ai envie de dire. Rebot. Ah, mince, j'avais attaqué en même temps. Du coup, ah oui, comme ça, ok. Rejoins comme ça. J'ai récupéré... Ah, one-up, merci. C'est gentil, ça. Ah, ça, par contre, c'est mesquin. Ok, bon. On va le réaffronter pour le coup. Coup pour coup. Je vais essayer de comprendre son pattern, en vrai. Ok, ok... Ok... Wow. Non. Ah, mince. Bien joué. Non, c'est pas un boss. C'est un mini-boss, là, pour le coup. Si ça, c'est le mini-boss, faut pas imaginer le vrai boss, hein, du stage. Je suis très curieux de... Quoi? Comment ça m'a touché? Ah, il est agile en plus, hein. Ça, le pire, il est vraiment agile. D'accord, ok. Sympa. D'accord, tu peux lui donner un coup d'épée après. C'est sympa comme détail, franchement j'apprécie. C'est bienvenu. Bah, du coup, je sais pas qu'est-ce qui nous attend. Oula, oh non, ça je déteste par contre. Des choses qu'on te met en bas dans des angles tout simplement pas possible à faire. Ouais, non merci. Hein. Ça je n'aime pas par contre. Du tout. Oula.
cas, j'espère que vous passez un bon moment, hein, que ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait grand-chose en stream, même plus rien du tout, hein, depuis lors. J'espère que du coup, vous passez un bon moment, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. La musique. What? Alors, l'épopée, je pense pas. Par contre, faire un let's play, je dis clairement pas non. Ça, ouais. Je pense très clairement qu'un let's play est prévu au programme pour ce jeu. Par contre, si vous retenez que les fails, hein, les gars, ça va pas aller. C'est vrai que c'est rigolo 2 secondes, mais bon. Je pense qu'il y a quand même d'autres choses à retenir que ça pour le jeu. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a clairement autre chose, hein, les gars. Les gens. Bon, ta compagnie, ah bah c'est bien. Ça fait tellement longtemps, j'ai envie de vous dire. Par contre, la roulotte, c'est quelque chose à maîtriser, ça aussi. Hein. J'ai remarqué. Bah après, si le jeu vidéo ne devait se résumer qu'à du skill, franchement, on ferait pas de vidéo pendant un long moment. Voilà, j'ai envie de dire aussi. Bon, je veux dire, je découvre le jeu, c'est normal que je meure, les gens. Quand même, les gens. Par contre, du skill, hein, je vous montre quand je veux une... En live ou en let's play, je sais pas. Une épopée sur Gradius 3. Ça par contre, je sais bien faire les choses. Vous allez voir. Ça, y a pas de souci. Bah, ça, c'est pas mal, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Wow. Je voulais faire une belle chose, mais non, ça va. Je vais tenter quelque chose. Par contre, avec ça, c'est dur à viser. Oh, mon Dieu. Ok, il est mort, mais c'est pas le boss. D'accord. Ouais, voilà. Quand même. C'est un boss, ça. Ça va être un petit peu délicat. Ah. Ouais, bien. Bien joué. Okay. La vitesse. Ok. Ça sent le boss qu'on va se farcir en bas. Bah voilà, je me disais bien. Meta Slug, bonjour. Ouf. Ah, mon Dieu, il a l'air chaud quand même. Hein. Je suis descendu en même temps. Ouais. Le souci en fait, c'est que tu rediriges ta manette sur le bas, enfin ton joystick pour le coup sur le bas, mais c'est exactement la même touche pour sauter vers le bas. Ouais. Donc c'est toujours chaud avec ce genre de boss en fait. En termes de, ouais. En termes de maîtrise ou autre, c'est vraiment chaud quoi. C'est la fin du stage? Ah non. Wow! Quoi? Oh la vache! Qu'est-ce qui se passe? What? C'est quoi cette phase? C'est quoi cette phase totalement dingue? Oh la va, ah oui, d'accord. Ah oula, comment ça tourne et tout. Mais rassure-moi, c'est de la 3D pré-calculée, ça. Ah d'accord. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ah j'adore. Ah ouais.
Ah non, mais bravo, hein. Franchement, je tiens juste à dire ça, un bravo. Enfin, pour de telles phases, hein, franchement. Il y a le DJ, hein, pour ce jeu. Bon, je pense que c'est peut-être mieux d'éviter les ennemis, non? Ouais, je pense que c'est peut-être mieux. La musique aussi. La musique est trop bien! Excellent, vraiment là. Je dirais pas que c'est un truc de malade mental, mais quand même. Faut souligner que c'est vraiment, vraiment génial à voir. Ok, en maintenant le. Ok, le bouton, tu tiens ta position de tir à une même visée. D'accord. Ils ont vraiment pensé à tout niveau gameplay, hein. C'est quand même dingue. Oula. Oula, ouah. Là, ça va être ici au-dessus. Ok. Ah! Bien joué. Bien joué. Ah! Oh ouais, d'accord. Bon. Ça me dérange pas de recommencer parce que cette phase est excellente. Sans déconner, elle est excellente. Ah ouais. Ah, ah j'adore. Ça doit faire une heure que je suis sur le jeu facilement en fait. Je pense, hein. Je pense que concrètement on est sur du une heure là pour le coup. Ah mais le jeu il est excellent, c'est sûr, c'est sûr. Là, je passe un bon moment. Là où sur Xenon, Xenon Racer, c'était vraiment pas ouf je trouve. Je m'ennuyais en fait sur Xenon Racer pour être honnête, hein, avec vous. Je m'ennuyais vraiment beaucoup. Cependant là. C'est excellent, je passe un superbe moment en fait. Je me demande comment ils font des stages comme ça en fait. Bon, tu vois, c'est de la 3D. Très clairement, là, tu vois, c'est de la maîtrise de la 3D. C'est un tunnel 3D. Mais, je sais pas, mélanger avec ce décor 2D et tout, c'est vrai que je suis curieux d'un coup de comment ça a été produit, en fait. Parce que, mine de rien, ça demande un travail de dingue de faire déjà quelque chose d'aussi, comment dire ça, bah, d'aussi structuré, d'aussi bien agencé, que tu puisses te déplacer très facilement, finalement. Et que surtout c'est bien fait avec les effets de zoom et d'optique et tout, tu vois, sans que ça pique quoi que ce soit à la rétine. Non, vraiment, c'est maîtrisé là pour le coup. Ok, je suis dans l'obligation de les tuer. Ouais, ouais, ok. Profiter de la forme d'invulnérabilité, voilà. Sont dangereux, hein. Déjà que tu as une petite fenêtre pour te déplacer. Et ben, après Blazing Chrome, et ben on fera plus rien. Voilà, ce sera la fin du stream. Comme ça, on peut dire qu'on finit sur une bonne. Ah, mon dieu, c'est un boss. Il y a trois boss dans ce niveau. Enfin, pas réellement des gros boss, mais bon, quand même. Tout de même, tout de même. Ok. Je sais comment tu fonctionnes, t'en fais pas. Non, après, après ce niveau, on s'en terminera là, voilà. Ça fera déjà un bon petit stream. Bon, deux heures, c'est pas grand chose, hein, mais bon, voilà. Ok. Du coup, what's now? Ah ouais, d'accord. Ok, là on va... Ok, là c'est pour concentrer nos tirs. C'est le vrai boss, là, pour le coup. C'est le vrai boss du niveau. Ok.
Je vais détruire celui-ci en priorité parce qu'il m'a l'air vraiment très dangereux, lui. Ok, voilà, bien, bien, bien. Bonne chose. Mais il est intense ce niveau en vrai parce qu'on a combien de mini-boss en vrai? Wow, j'avais pas vu. Ok, j'avais pas vu du tout. What? J'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais tant pis, tant pis. Ok, ça m'a touché le petit bout du pied. Ok, il est presque mort, les gars. On y est presque. On a plus que deux vies. On a plus qu'une vie. Il est mort. Pouf. Eh ben, bon sang, bonsoir, ce niveau... C'est ça, en plus, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que quand tu vises, quand tu maintiens ta visée, tu es ralenti, en fait. Donc c'est encore plus dur d'esquiver, surtout que les patterns sont vraiment très précis pour le coup. Ok, alors, c'est quoi le prochain niveau? Ça sent pas la fin du jeu, ça. Ça sent pas la fin du jeu, mais bon. Écoute, je pense qu'on a déjà fait assez, hein. Voilà, je pense qu'on a déjà fait assez. Alors, est-ce qu'on peut retourner au principal? Je ne pense pas. J'ai l'impression que non. T'imagines, c'est le dernier niveau, on peut se dire, allez, on y va, on fait la fin du jeu? Ouais, non. J'ai envie de laisser ça pour une découverte, j'ai envie plutôt de faire une autre vidéo hein, concernant le let's play du jeu. Donc je pense que pour la découverte de Blazing Chrome, on va s'en laisser là. Voilà, donc conclusion. C'est excellent. Déjà, franchement, ce rapprochement avec Contra est excellent. En tout point, le jeu est très nerveux, mélange parfaitement ce que j'attends d'un Contra-like. Et c'est surtout ce petit rapprochement de la nervosité avec un Metaslug qui fait vraiment, vraiment très plaisir. Tu sens que l'humour est là, que la nervosité est là. Les bonus sont certes pas extravagants en termes de diversité, mais suffisent amplement pour te permettre justement du bon fun de gameplay. Et certes, oui, le bestiaire. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, le bestiaire se répète un petit peu. Sauf que bon, t'as certains ennemis qui sont propices à un certain niveau pour le coup, qui donnent une identité un petit peu propre, j'ai envie de te dire. Mais pour le coup, qu'importe. Le gameplay, c'est du lourd. Le niveau, enfin les niveaux en général, c'est vraiment du lourd. Les graphismes aussi, c'est vraiment du lourd. Donc franchement, Blazing Chrome, une excellente surprise pour ma part. Vraiment, vraiment, voilà. Donc merci à ceux qui regarderont la VOD. Je vous fais des gros bisous.